Orthographe.com vous dévoile ses participes passés que le monde entier nous envie. On les a déjà faits. Oui, mais cette fois, on résume, on globalise, on vous dit tout. Et vous allez voir comme c'est facile. Vous finirez même par les aimer. On vous prévient, c'est du business. Tiger ? Oui, vous savez ce que c'est ? Bah évidemment, vous me rassurez. Mademoiselle Bingo, ils utilisent des mots que mon intelligence ignore. Quelle intelligence ? Quel mot ? Auxiliaire. Oh, alors, pour le vocabulaire, vous voyez ça avec Dorothée. Parce que là, vous voyez moi. Moi, là, en ce moment, il va me falloir un petit peu de temps pour trouver le moyen de l'affronter, votre intelligence. Il n'existe que deux auxiliaires. Être et avoir. Alors, s'ils sont deux, ça serait pas plus simple de dire simplement être et avoir. Surtout pas. Les mots complexes ont une grande utilité. Laquelle ? Valoriser les pédagogues et accessoirement enrichir les boîtes qui enseignent l'orthographe et qui ont la chance d'avoir des directeurs qui réfléchissent avant de signer leur contrat. Auxiliaire vient du latin auxilium qui signifie coup de main. Si Messaline vous murmure à l'oreille d'une voix suave, désires-tu un auxilium ? Messaline ! Ça va, hein, ne fantasmez pas. Hein. Elle vous propose tout simplement un coup de main. Quand vous dites « j'ai de l'argent », vous indiquez que vous possédez de l'argent, car avoir est un synonyme de posséder. Vous n'auriez pas un autre exemple ? On vient de perdre 40 000 euros. Eh bien justement, cette actualité devrait vous aider à comprendre. Lorsque vous dites « j'ai chanté », l'idée de possession qu'on trouve dans « j'ai de l'argent » n'intervient pas dans l'idée de chanter. Avoir a donné un coup de main. En latin, Messali l'aurait appelé « auxilium ». C'est pourquoi les grammairiens l'ont baptisé « auxiliaire ». Bon, pour l'accord, vous verrez avec Mademoiselle Bingo. Il paraît qu'elle a trouvé un truc pour supporter votre intelligence. J'espère que votre intelligence vous incitera à plus de diplomatie que la dernière fois. Hein. Non, mais j'ai retenu la leçon. Bien. Lorsque le participe passé n'est précédé d'aucun auxiliaire, autrement dit en français, lorsqu'il n'y a ni être ni avoir, on pose la question « qu'est-ce qui est ?» et on accorde avec la réponse où qu'elle soit placée. Des actionnaires ruinés, qu'est-ce qui est ruiné ? Des actionnaires ruinés et S. Ouais. Bon, allez, testez-moi. Abreuvé de honte, la reine perdit sa perruque. Alors, qu'est-ce qui est abreuvé de honte ? La reine, donc abreuvé et E. Vos amis ont l'air fatigués. Qu'est-ce qui est fatigué ? Vos amis... Non ! Non, c'est l'air qui est fatigué, pas vos amis. Mais s'ils ont l'air fatigués, c'est qu'ils sont fatigués. Mais pas du tout. On peut très bien avoir l'air con et être très intelligent. Ah bon ? Ben oui, la preuve. Vous avez l'air intelligent. Ah oui, alors vous voulez dire que je suis un peu... Vous croyez vraiment que quelqu'un d'intelligent irait jouer de l'argent dans un quiz sur les participes passés ? Non. C'est QFD. Laissez ces meubles et ces armoires fermées. Alors, qu'est-ce qui est fermé ? Les meubles et les armoires fermés ES... Parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Je vous ai dit d'être diplomate. Ah oui, mais là, c'est la règle. Hein. Une règle qu'on applique, mais qu'il ne faut jamais dire. Ah, jamais dire. Ah ben, promis, là, je ne la dirai jamais. Laisse la porte fermée. Qu'est-ce qui est fermé, là ? Laisse les meubles et les portes fermées. Qu'est-ce qui est fermé ? Les meubles et les portes, le masculin l'emporte, mais il ne faut jamais le dire oralement. Voilà, jamais le dire oralement. Votre dette s'élève à 40 000 euros. J'ai trouvé ma formatrice et son compagnon particulièrement fatigués. Ça c'est la règle qu'il ne faut jamais dire. Alors
Qu'est-ce qui est fatigué, ma formatrice et son compagnon, fatigué, EOS. Monsieur est féministe. Hélas, l'orthographe ne l'est pas. Cela fera donc 60 000 euros. Je le savais. C'est mademoiselle Bingo qui m'a dit de ne pas dire cette règle. Sacrifier 20 000 euros pour ses convictions féministes, je suis admirative. Pour la prochaine fois, vous étudierez l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Il est chouette le verbe être, tu ne trouves pas? Il a un petit côté shakespearien. T'es pas d'accord avec moi? Hein? To be or not to be. Mais triple buse. Non mais triple buse, hein? Oh mais c'est pas vrai! Mais je vous ai dit de ne pas la dire! Pas de ne pas l'appliquer! Non mais ça va pas. Oui, mais justement, il ne m'interroge pas par écrit, il m'interroge oralement. Comment voulez-vous que je le réponde sans la dire, hein? Alors, pour l'accord avec le verbe être, vous allez voir ça avec mon père. Parce que moi là, en ce moment là, moi, j'ai une de ces envies de vous étrangler, si vous saviez! C'est illégal, vous avez de la chance! Orthographe.com vous dévoile ses participes passés que le monde entier nous envie. On les a déjà fait. Oui, mais cette fois, on résume, on globalise, on vous dit tout. Et vous allez voir comme c'est facile. Vous finirez même par les aimer. On vous prévient, c'est du business.